Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que moi ça va toujours. Moi oui, ça va toujours. Écoutez, là on va passer à la course de Monaco sur Formule 1 2020. Donc voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, tranquillement, on va se mettre bien. J'espère que vous avez à manger, à boire, tout ce qu'il faut. Le temps de la course, parce que vous avez vu que mon pilotage n'était pas ouf, je pars en dernière ligne. Ouais, c'est chaud quoi. Donc, ouais, bon, le temps d'entraînement est toujours aussi long. C'est chiant. On n'a pas eu de chance, c'est pas vraiment la place qu'on visait sur la grille, mais courage, c'est quand même pas la fin du monde. Ouais. Bon, allez, course. C'est pour le tige. On se concentre. Le but, c'est au moins de rentrer dans les points. Donc, il va falloir que je fasse une grosse entrée. Donc, vous savez que je peux doubler. C'est dur de doubler à Monaco. Hein. Si, dans la grande ligne droite en dessous du tunnel. Ouais. C'est tout. Hein. Sinon, c'est faux. Va falloir que je prenne des risques, les amis. Je n'ai pas le choix de prendre des risques. Allez. Ah, ça y est. C'est parti, présentation. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3 km 340. Les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Depuis la pole position sur la grille, le premier... Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position, et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Vettel, Bottas, Alexander Albon et Ricciardo, Norris, Grosjean, Sainz et Antonio Giovinazzi, Ocon, Raikkonen, Lance Stroll et Perez. Gasly, Leclerc, Kevin Magnussen et George Russell. Mazepin, Schumacher, Latifi et Daniil Kvyat qui ferment la marche. L'avant-dernière ligne. Lequel de ces talentueux pilotes? Allez, essayons, c'est parti. On se concentre, un peu de pression. Quand vous voulez. Ce temps de chargement, c'est un truc de fou, faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas normal. Hein. Évidemment que la fibre arrive dans mon bled parce que c'est pas ici, il y a un problème. Hein. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une. Allez, on départ. Oh, yes. On va pouvoir doubler là. On a monté 13e, les amis. Ah, que les gens trop, hein. J'ai pas senti. C'est pas grave. Oula. Là, c'est lui qui vient de me colliser, là. Ouais, ouais, ouais. Et lui, on lui dit rien. Voilà. Oh, je vais manger de lui. Je suis obligé de repasser maintenant. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh non, mais c'est une blague. Ah, ça y est, je dérape. Voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité virtuelle. Réduis ta vitesse immédiatement et maintiens ton indicateur delta positif. Oui, bien sûr. Regardez, devant, il baisse pas de vitesse. On va attraper le dos. Voyez tout du delta. Roule moins vite. Notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. La voiture de sécurité virtuelle rentre. Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Attends bien le drapeau vert. Ouais, c'est ça. On va maintenant vite. Il y a moyen de choper la deuxième place peut-être. Hein. Vous êtes une fracture tout au bouton de dépassement là. Restez au contact.
sur ton aspi. Ah, il y a rien à foutre. Là, je l'ai cogné, mais il m'a pas laissé faire. Allez, encore un avertissement. On va vraiment se finir en pénalité. Je vais la dire. Ouf, oh, je vais rentrer dedans. Là. Heureusement que je n'ai mis pas de dégâts. C'est dit, mais... Voilà, j'aurais déjà plus d'élan. Oh purée. Chaque fois que je me lève les bouts, ça dispose. Et là, oh non, il va faire ça. Non, il va le faire. Oh, j'ai peur là. Ça m'a foutu dans le mur, ça. Allez, on prend ça, tes amis. C'est une attitude qu'un bolide. Je vous dis, les gars, on n'a pas un bolide de course non plus, comme on l'a vu. C'est sûr qu'on sera pas premier. On sera mis de viser les poèmes. Je pense qu'on va pas respecter notre fonction de mener 4 tours au moins dans un grand prix. DRS autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. On revient un petit peu sur lui. Allez, là, je vais faire un peu de temps. Ouais, là j'ai fait le cours, là c'est ma faute, les amis. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps, mais non, c'était sûr. Allez, je me mange le mur, mais c'est pas grave, on a rien à foutre. Le déplacement. À chaque fois, je le tape. Je vais me laisser passer à la fin, on va en avoir marre. Putain, mais c'est pas possible de se prendre du mur, là. C'est chiant. Je sais pas conduire les amis. Je suis pas chaud. Déplacement et puis DRS avec. Voilà, on va revenir. On remarque qu'il y a le DRS aussi. L'écart avec notre coéquipier est de 7,1 secondes. Putain, c'est dur les amis. Allez, encore un mur. La voiture est en train de souffler. Ça va être chaud. Je pense qu'on va finir à 12e, d'ailleurs. Ça continue comme ça. Oh là, oh là. Allez, encore une. Mais non, mais c'est une blague, là. Flashback. Non, non, j'ai dit flashback. Oh, je crois que c'est mort. Ah non, c'est bon. Oula. C'est chaud. On reste derrière. Sinon, je connais. Je crois que c'est chaud au début d'un virage là. On pourrait. Hein. Je suis sûr que les deux monoplaces tiennent. Ce serait trop chaud. Wesh! Ah lui, à lui c'est. Eh, j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu. Moi je m'en fous, je suis le meilleur que. On a branlé. Je coupe un petit peu le virage. J'ai pas le choix. Sinon on rentre dedans. Faut que je revienne deux fois, mais sûrement. Allez, boum, encore. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Oula, vache. J'ai un problème de frein, les amis. Je vais voir tout de suite. Pour le deuxième, c'est une blague. J'aurais pris encore un meilleur départ, ça m'aurait fait vu les amis, j'aurais fait au moins j'aurais gagné une place là, j'aurais au moins été 11e, je suis sûr. Voire 10, j'étais encore mieux. Bon, c'est comme ça. Et je crois que ouais, je suis vraiment nul. A chaque fois, oh là, je vais jamais y arriver.
pas le virage, voilà, on prend bien. Ça fait deux secondes, mec, il est super chiant. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je vais tout gagner, vous. Ok, c'est Jeff. Il faut absolument que tu arrêtes de couper les virages. Si tu continues, okay, les commissaires vont nous infliger une pénalité. Oh bah, je sais pas. Je m'en fous, j'ai déjà 0 points. Alors, j'ai rien à faire. Hein. J'ai jamais marqué des points en championnat, ça me fout. Hein. Pas bien, là. Je suis pas bien du tout. Hein. Pour une Mercedes devant qui va gagner. Oh, je suis à son contact, hein. Je suis revenu les amis. Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. Ouh, oula, ouh, c'était chaud ça. Non, non, là, là, flashback les amis, je suis désolé, mais là faut que je double quoi. Il y a même plus chaud les amis là. Vache, allez, pénalité. Tant pis, reflashback. Et je crois que je vais y arriver, les amis. Hein. Ah, je vous ai dit, le flashback, c'est mort. Il est fait. Là, on freine. Voilà, voilà. Ça, c'est un bon dépassement. Bon, donc, je vais toucher, je allez, boum. J'ai touché un petit retour à la normale. Ouais, t'as bien vu qu'il passerait pas. Pour monter la 10ème place là, dans la 7ème bien sûr, parce qu'il y en a qui sont rentrés au stand. Mais... voilà, voilà. Allez, je monte encore là, putain. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée. Ralentis et garde un delta positif. Voiture de sécurité virtuelle déployée. Roule moins vite. Notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. On reste en quatrième. Là, tu vas pouvoir se bouger. Ça sert à rien de communiquer la gueule. Moi, j'ai encore fait une pénalité. Putain, et lui derrière, voilà, il pousse derrière. Oh merde, j'aurais dû rentrer là. Allez, bon, c'est quoi flashback? Lui il commence à me saouler sérieusement. C'est au pire, je rentre maintenant. Déjà, j'ai plus de pneus, les amis. Voilà, regardez comment il pousse derrière. T'inquiète pas, mon petit gars, tu vas rentrer. Là, voilà, c'est marche. J'imagine pas la fin de la course, les amis. Je suis mais... là, ça va être trop chaud pour moi. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Par hasard. Garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert. Vas-y, allez, mets les gaz. Il ne te reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. C'est encore un arrêt, mais c'est une blague. C'est mort, on va se faire foutre. C'est juste pour ça, rien à voir. On a un excès de carburant de plus 1. La consommation de carburant est de plus 1. On ralentit, on ralentit. Enfin, une... ah, c'est une Williams. Allez, je monte dessus.
encore une fois. Et là, je vais encore me prendre un truc. Et allez, c'est... Eh, hey, je suis désolé. Je suis vraiment nul dans le virage. Pas grave, c'est que... Nikita rentre au stand. Eh frère, flashback, j'ai pas le choix. Oui, ça va passer. Oh, 3 de fond, 3 de fond. Frère, mais gros gens, ils laissent pas la place, frère. Il m'a rien plus. Allez-vous, en plus, je passe devant les deux. On est à 10e, pour l'instant 10e. Je fais un point en championnat, c'est pas bon. Putain, 3 de fond les amis, ils étaient chauds quand même. Point d'avertissement, c'est pas grave. Il y a le fond, mais c'est pas derrière. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium. Elle s'est arrêtée ou quoi? Maintenant j'ai plus qu'à défendre ma place. Et là, putain, elle s'appelle derrière, du coup. C'est bon, hein. Tu es dans les 10 premiers. Ce qui serait bien, c'est que je mette au moins une seconde, les amis, là, parce que là, le temps que tu profites du DRS, tu reviens pas tout veux. C'est que je suis nul déjà cette partie-là. Hein. C'est pas juste. Allez, on le bouffe, là. Allez, les boules, on va manger mieux, là. Ça va glisser. Il va falloir défendre, les amis. Défendez-moi cette putain de place. C'est tellement dur, ce que c'est. Vous verrez, il y aura deux tirs plus sur un mieux buleté que ça. Alors là aussi, laissez tomber. Je fais 42 RF, je peux pas encore accélérer. Souvent, j'entends les 70 comme ça marche. Tranquille. Il va falloir défendre. Hein. Oula, gros survirage. Voilà. C'est le genre de truc là qui peut récupérer. Allez, ah putain, j'ai bien passé, les amis, j'ai super bien passé. Allez, 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 allez. Désolé, je crois pas vraiment que j'ai mes vidéos, mais...
Je me concentre un petit peu pour essayer de mieux piloter. Putain, mais j'arrive pas à les décrocher la ligne. C'est quand même un truc de mal. Je ne rentrerai pas au centre. Pour mettre des pneus fortes après, non. Faut que je garde ma 10e place. 9e. Ah non, je suis 9e. Ouais. J'ai gagné 2 points. Enfin, c'est pas un point de plus. Hein. Surtout qu'il faut que je me défende pour le champion. Quoi. J'ai mal pris le virage, j'ai vu derrière. Ouais. Putain, il passait 0,8 à 3, 0,3, mais ouais, c'est chaud. J'ai décompté une bourde, ça y est. Ouais, j'ai le collège. Au virage là, à chaque fois j'en ai plus de 3 centimes, c'est bon. Dans les autres, voilà, là je n'en fais plus. À chaque fois j'ai plein de vitres en mur. Ce virage ça passe à chaque fois. Ici je prends super trop de temps, voilà. Voilà, j'ai encore pris un virage. Qu'est-ce qu'il se trouve? Regardez, ouais. Ça va être compliqué, c'est tout. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras les tendres. Je crois que je m'arrête un peu. Ça suffit. Et j'arrive pas à lui. Il est trop fort. Au niveau des rebonds, quand même. Au niveau, hein. On peut le battre. Ça m'énerve de me bouffer les murs, je vous promets que ça m'énerve. Elle a l'air de faire. Parce que là, il chope le DRS, un petit peu. Notre retard sur la voiture de devant est de 4,1 secondes. Ouais, il met 4 secondes, d'accord. On rattrapera pas Sainz, c'est mort. Une seconde 3. Putain, yes, là, déjà, il aura pas le DRS, déjà. Il a dû faire une connerie, je pense. Il a dû faire une connerie, c'est la connerie. C'est bien, ça arrive au bot aussi. Ouais, on prenne bien, on tourne bien, voilà, ça se met bien là. Là, je suis content. Hein. Hop, là on a un petit coup de frein et on va avoir tout de suite. C'est bon, quoi, c'est bon. Et si je meurs toujours un peu de... Je gratte un peu de temps, je crois. Ah putain, j'ai bien passé le virage déjà. Là aussi. Oh putain, là je suis en train d'attaquer. Putain, j'ai bien passé les virages, les amis. Dernier virage, ouais, ça passe. Une seconde 7 pour une méthode de monde. On s'arrête sur ce tour, essaie de nous faire un beau chrono. Ouais, t'as raison, je m'arrête pas. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Non, t'inquiète pas, ça va pas durer, mon ami. Ouais, viens, on va reprendre ce tour. En fait, faut que votre coach soit d'attaque, quoi. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit souvent. Oh là là, là j'ai fait le coup. Là, il va me reprendre tout de suite. Vous allez voir. Voilà, une deuxième, une seconde fois. C'est sûr. J'ai plus d'énergie, mais c'est cool. Ça active, là, c'est pas cool. Allez, boum, j'ai pas quoi. Allez, pénalité. Si tu continues à couper les virages, les commissaires vont t'infliger une pénalité. Ah, c'est bon, j'ai 3 secondes de pénal, c'est bon. On nous a infligé une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course.
moins que j'arrive au bout de 3 secondes, ça va être... On va voir. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Par contre, plus devant, là, je vais être une seconde fois. Ah, c'est à voir. Hein. Je peux peut-être le rattraper, là, devant. Je le vois, là. On va faire raid, là. Vu que j'ai attaqué tout à l'heure, je pense qu'il a pas d'humain, non plus. Ah, ici, ça me prenne trop, c'est bon. Donne-toi à fond, tu rattrapes ton retard sur la voiture de devant. Ouais, bah c'est ce que j'essaie de faire. Comme ça, on va attaquer. Sans couper le virage, j'ai déjà 3 secondes de pénal, c'est mort. De toute façon, ça sert à rien de rattraper derrière, parce que j'ai plus 3 secondes. Ça sera 9ème, je pense. Alors, remarque que je le rattrape déjà. Pour l'instant, je suis 10ème virtuel. J'ai un point. Ma vie, je pense même que ça va se finir comme ça. Vous allez voir. C'est chier, hein, les amis. C'est une petite chose. Si je devais assez faire le flash bug, je ne sais pas quoi. Ça se met mes conneries aussi, comme vous pouvez voir. Comme du coup, une merde, il y en a deux. Il a 2,7. Il faut quand même plus de 3 secondes à la gueule. Si voilà, en voici la preuve. Contre le devant, j'aurais pu le rattraper, c'est fini. J'ai les plus de merde ici. Ah, remarque, je suis peut-être pas si nul que ça dans ce virage. Si vous remarquez, les gars, je le rattrape. Ah, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Hein. Je suis tenté, je suis en train de le rattraper. Je suis ouais, ça va être cool. Hein. Allez boum, c'était sûr, c'est chier, à chaque fois que je me rapproche de lui, c'est mort. Ah, je pourrais le bouffer, mais je crois que j'en ai 3 secondes, c'est mort. Ça va. Volcan, par contre, il lâche pas. Je peux juste finir 10ème, c'est cool. Voici l'écart avec notre coéquipier, 20,4 secondes. Ah, c'est dur, c'est quand même un maximum de performance. On va faire mieux que ça, les amis. Malheureusement. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. 3 tours, il faut que je mette en rythme. Je mélange riche. Je vais pouvoir lui mettre 3 secondes dans la gueule. Là. Allez, les amis, mélangez. Allez, c'est parti, on va dire ça. Un tour et jusqu'à la fin du prochain tour. Hop, et là on passe direct, voilà. À chaque fois, je vais m'interpréter un petit peu ça, mais bon, on s'en fout. Là, hop, on le passe bien, nickel. Et je crois que j'ai pas eu, je suis pas loin des 3 secondes là, mais ça veut pas. Putain, c'est chaud. Je crois que je vais remettre un mélange d'eau parce que je suis dans le rouge, c'est pas très très bien. C'est chaud. Putain, j'ai mis 3 secondes une quand même là. Putain. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. On y croit. Allez, putain. Pas grave, c'est pas grave. Pas de flashback, on a dit, on a seulement fait. Putain, 2 secondes. C'est mort, vas-y. C'est mort.
Ils auraient quand même dû faire un... Ah, allez, encore un... Ouais, ça commence à me saouler. Putain, fait chier, j'avais mis les 3 secondes là. Putain. Putain, je t'aime bien et tout là. Putain, fait chier. Là, il attaque aussi dans cette partie. En fait, on est bon dans la même partie en fait. C'est chaud. Allez, reste le temps jusqu'à la fin. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Faut essayer de rattraper Time Storming là, comme ça moi je sais qu'on est plus longtemps. À ce rythme et avec ce mélange, on n'aura pas assez de carburant pour terminer la course. Pense à passer au mélange inférieur. Oh putain, c'est mal. Oh, la flashback, je m'en fous les amis. Flashback, j'en ai rien à branler. Là, non, ça fait pas là. Allez, c'est mort. Chaque fois, je fais des conneries. Là, faut que je fasse la course comme ça. Là, tu mélanges à l'arrière. Ah, ça va être dur hein, de lui mettre 3 secondes quand même. Ah, je peux pas, je reste au 6ème. Mode faible. Oh, fais chier, tu sais quoi, je coupe maintenant, on va prendre. 10 secondes, bon, allez, c'est mort. Les commissaires nous ont infligé une pénalité de 10 secondes. Putain, fais chier, hein, je vais finir 2ème. Et encore, si l'autre revient pas. Ah, c'est mort. Là, ok, on y passe. Si je me lance 1, non, le mode faible, c'est mort. Oh, gros, il va me rattraper en despi là. Vite. Ça va être chaud, ça va être chaud. Si, c'est bon. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ouais, rapidement, la deuxième. 17ème, pourquoi 17ème? Roulette du jour. Moi. J'ai pas assez d'essence, les amis. Oh, c'est dommage. Il est marqué 17ème, du coup, je comprends pas. Peut-être au championnat, sur 22, possible. On va voir ça. Je vous avoue que je suis un petit peu énervé quand même. Ouais, ça m'énerve de faire ça, ce genre de bail. Ah, fichi, les amis. Excusez-moi pour tous les gros mots, mais j'ai pas le choix là. C'est comme ça, quoi. Non, voilà. Bon, le temps de chargement comme d'habitude, je vous apprends rien. Ça me gonfle aussi. Bon allez, putain. Toi, dis-moi pas que c'est un bug. Ça y est. Minière, analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Valtteri putain, Bottas s'empare de la tête cribé, du classement et devient le leader du championnat après le résultat d'aujourd'hui. Après cette incroyable course, ouais. Qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? 13 secondes, mais non, j'avais que 3 secondes. Ils ont géré les à la perfection sans sacrifier la vitesse. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Le moment est venu de jeter... Bon, ben voilà, je suis désolé pour vous, les amis. C'est la fin de la vidéo, sur ce, bah, à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut.